En attendant, que tout le monde se rassure, la carpe a la mémoire courte, pas besoin de tout savoir. Nous pouvons donc pêcher comme nous en avions l'habitude. Si ça marche, ça marchera toujours. Le réglage des caméras et du matériel de plongée sont des points importants pour la qualité des images et notre sécurité. Car ne l'oublions pas, nous ne sommes qu'invités dans ce monde subaquatique. Dans des eaux un peu chargées, il est parfois possible de croiser le chemin d'une carpe koi passant comme un rayon de soleil. Comme sur une autoroute où les carpes empruntent le même chemin pour se rassembler au même endroit. Ceci me laisse imaginer un spot idéal. Dans ce monde merveilleux, où carpes, brochets et perches vous invitent dans cette formidable danse. La plongée pour l'observation dans des eaux troubles est essentielle et ne se pourrait se faire de la surface ni même avec un éco-sondeur. Pour y connaître la nature et la population exacte. Monsieur Barbeau, à l'heure de la sieste. La plongée, c'est aussi des heures de recherche et d'attente. Il faut être patient, discret et se fondre dans le décor. Pour finalement être reçu comme un invité, s'approchant de moi, curieuse, se posant peut-être plus de questions sur moi que moi d'elle. S'en vont et reviennent, me regardent. Ce dernier passage, peut-être pour me saluer et me dire au revoir.
vais rejoindre mon équipe afin de partager avec eux toutes ces images qui resteront gravées. Bonjour, je m'appelle Martinez Stéphane. Je me suis mis à la vidéo subaquatique il y a quelques temps déjà. J'ai tout de suite trouvé un intérêt pour ma pêche, mais j'ai aussi trouvé beaucoup de similitudes avec ma façon de la pratiquer. Tout d'abord par son approche, et ensuite par sa mise en œuvre, qui demande de la précision et de la patience pour avoir de bons résultats. Toutefois, le piqué face caméra reste ma priorité, et le fait de savoir et pouvoir filmer sous l'eau m'a permis de trouver une partie des réponses aux 4 questions qui me revenaient sans cesse. Tout autant de questions que, comme beaucoup de pêcheurs, je voulais avoir des réponses nettes et précises. Pour ça, il n'y a pas meilleur verdict que la preuve par image. Maintenant, il est vrai que je n'ai pas essayé tous les hameçons et tous les montages du monde, qui sont souvent d'ailleurs trop théoriques mais pas infaillibles. Malgré tout, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas grand chose pour que tout se déclenche, que ça pique, pour avoir la visite de Nobel sur le tapis. Aussi vrai que je ne peux pas tirer de conclusion générale, car il faut se rendre à l'évidence, le bon fonctionnement d'un montage ou le comportement du poisson aujourd'hui ne sera peut-être pas le même demain et partout. En tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que tant qu'il y aura des pêcheurs et des poissons, il y aura des mystères et des questions, mais aussi des passionnés et des caméras pour trouver des solutions.